Hello mes pédalos, alors aujourd'hui on va faire de la livraison. On va retenter l'application LiveMate car grâce à Lilian, le coursier, je vous mets son lien de chaîne ici. L'application aurait changé, on ne nous appelle plus pour nous demander si on veut livrer ou pas. Alors ça c'est génial, d'ailleurs si vous voulez voir comment ça se passait avant, je vous laisse aller voir cette vidéo. Maintenant, ça se passe comme Uber ou comme Deliveroo et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Est-ce qu'il y a de la demande sur cette plateforme ou pas? Bien sûr, j'ai pris un petit sac car ça nous rend prioritaire sur les livraisons. Bon, j'ai encore pas reçu de petit sac, donc je livre quand même avec mon sac Uber. On verra bien. C'est pareil, maintenant, on voit clairement où sont les pharmacies partenaires de la livraison. Donc là on en a un à Sifour et un autre à Sanary. Je vais commencer par suite Sifour parce que c'est le plus près de chez moi et on va pouvoir voir s'il y a de la demande ou pas. Et je vais attendre à peu près une petite heure, hein. Si au bout d'une petite heure il n'y a pas de livraison, et ben on ira demander à la pharmacie quels sont les horaires à peu près et est-ce qu'ils ont vraiment de la demande au niveau de la livraison. Du coup, je vous laisse profiter du trajet en accéléré pour aller jusqu'à la pharmacie. Bien sûr, je ne peux pas encore filmer en total car j'ai pas de caméra annexe. Je n'ai que mon portable, donc comme j'ai besoin de mon portable pour pouvoir livrer et avoir l'application, je ne peux pas tout faire en même temps. Mais si Uber ou Deliveroo m'acceptent ou si là on a beaucoup de livraisons, et ben dans ces cas-là, j'investirai dans une caméra qui sera sympa et qui pourra faire de meilleurs plans que là. Alors ça y est, me voilà arrivé, j'ai lancé l'application et il n'y a plus qu'à attendre pendant une petite heure. On va essayer d'attendre jusqu'à 10h moins le quart, 10h, et après on verra directement à la pharmacie de ce qu'il en est. Bon mes pédalos, au final j'ai attendu une demi-heure. Et puis j'ai été voir à la pharmacie m'a dit que pour l'instant c'était pas énorme au niveau des commandes, même ils n'ont pas une commande par jour et encore, ça dépend des fois. Donc j'ai laissé tomber au final et en plus j'ai téléphoné au service client encore une fois et il m'a dit que c'était plus sur Paris-Lyon qu'il y avait des livraisons. Et bon, dans ces coins-là, c'est plus l'hiver, au mois de décembre, par là, qu'il y a vraiment de la livraison, un peu plus, quoi, mais c'est pas non plus extravagant. Donc voilà, vous savez tout. Dommage, on n'aura pas eu de livraison. Bon, c'est un peu chiant, parce qu'à chaque fois, c'est toujours les mêmes vidéos. Mais j'espère qu'au mois de septembre, Deliveroo ou Uber s'activera pour ma finalisation de mon inscription et que je puisse vous faire partager tout ça. Donc moi je vous dis à très vite mes pédalos sur ma bicyclette.